Salut, salut les amis, je crois que ça va très très bien chez vous. Moi personnellement, chez moi, ça va très très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on va parler sur comment compter les nombres des colonnes et les nombres des lignes dans un tableau. Alors, comme vous êtes en train de voir là, devant vous, j'ai un tableau ici avec moi que j'ai pu concevoir. Comme vous êtes en train de voir là, ici dans ce tableau, il y a un nombre de colonnes bien déterminé. Je vais agrandir ça. Vous voyez que Si, par exemple, on vous demandait le nombre de colonnes qui se trouvent dans ce tableau, si le tableau se limitait, par exemple, à la colonne 2, vous avez facilement la possibilité de pouvoir compter 1, 2, 3, 4 et comprendre que réellement il n'y a que 4 colonnes. Mais supposons que votre tableau s'étend même jusqu'à je ne sais quelle colonne, par exemple la colonne XH par exemple. Donc c'est très loin. Commencer à compter là, ça peut vous prendre du temps, du temps et du temps. Alors, il y a une formule appropriée afin que vous puissiez compter le nombre de tableaux dans le nombre de colonnes dans un tableau, sans pour autant prendre du temps à compter vite à prendre beaucoup de temps à compter un à un. Alors, il y a aussi une formule appropriée afin de pouvoir aussi faire aussi les comptages de nombre de lignes. Je m'explique. Par exemple ici par exemple, carrément, vous pouvez voir que ici c'est 2, ici c'est 12, 12 moins 2, ici, carrément, vous comprenez qu'il y a 11 lignes parce que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais ici, 1 ne figure pas dans la liste des tableaux. Donc, la ligne 1 ne se figure pas dans les tableaux. Donc, elle est à rejeter et vous comprenez directement qu'il y a 11 lignes. Mais imaginons que vous avez une base de données de plus d'un million de lignes, par exemple. Alors, quand commencez à compter, là, ça vous prendra énormément de temps. Il y a aussi une formule appropriée afin que vous puissiez compter sans pour autant vous fatiguer. Exemple ici, je peux mettre mes tableaux. Jusque, par exemple, c'est jusqu'à AC. Ici, c'est jusqu'à AC dans la ligne 12. Alors, si on me demande de compter le nombre de colonnes ici, au lieu de compter 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver ici et prendre beaucoup de temps, ce que je peux faire simplement, c'est ceci. Je vais venir ici. Je mets égal. Je mets égal, allez, je prends colonne comme ça, tableau là, ici, je suis, ça commence avec A2 jusqu'à AC12. Cette partie, je valide, ça me donne 29 colonnes. Allez, si on me demande de compter les nombres des lignes, je ferai la même chose. Je vais prendre égal ici, ligne. Je prends les lignes là au pluriel, comme j'avais pris les colonnes là-bas au pluriel. Ligne là, tableau, ça commence A2 jusqu'à AC12. Quand je valide, il n'y a que 11 lignes, comme j'avais précédemment dit. Donc, c'est ça simplement ce que vous devez savoir sur comment compter le nombre des colonnes et le nombre des lignes dans un tableau déterminé. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À plus tard. Bye.